Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui, nous allons voir les touches de raccourci clavier pour gérer les angles de vue sur Blender. Pour que ce soit plus visuel, nous nous servirons du mesh Suzanne avec Shift A, mesh Monkey. Pour la rendre plus jolie, on ajoutera un modifieur, subdivision de surface. Et on mettra la subdivision dans la vue à 2. Elle a tout de suite une tête un peu plus sympa. Puis, avec un clic droit, on prendra le shader smooth pour la lisser complètement. Petit rappel sur le déplacement dans la fenêtre avec la souris. La molette nous sert au zoom. Le bouton de la molette nous sert pour la rotation. Et Shift plus le bouton de la molette pour le déplacement. Passons maintenant aux vues. Pour activer la vue caméra, c'est la touche 0. Pour passer au mode orthonormé et éviter les déformations de perspective, c'est la touche 5. Pour la vue de face, c'est la touche 1. Pour la vue de derrière, c'est CTRL 1. Pour la vue de droite, c'est la touche 3. Et pour la vue de gauche, ce sera CTRL 3. Pour la vue de dessus, c'est la touche 7. Et pour la vue de dessous, ce sera CTRL 7. Pour tourner la figure par incrémentation, on a les touches 4, 6, 8 et 2. Pour remettre la figure au centre, vous pouvez appuyer sur le point. Et pour ceux qui voudraient travailler avec le mode 4 vues, il faut faire CTRL, ALT et Q. Cette vidéo sur les changements de vue touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé dans la manipulation de Blender. Bonne continuation et à bientôt !